Buenos días, bueno, es una corrida en tipo de la casa, es una corrida seria y nada, que traemos mucha ilusión, pues hace tiempo que no lidiamos en Arles y traemos mucha ilusión, a ver si hay suerte. Sí, bueno, Arles es una plaza de primera, es una plaza donde entienden de toros porque está en una región muy taurina. Hay una cultura taurina que viene de antaño gracias a las corridas camarguesas y venimos con mucha responsabilidad y deseando de que salgan las cosas bien. Menos un toro, es toda finqueña, la corrida es toda finqueña, menos el 70, que es cuatreño. Y bueno, muy entipada, casi todos cárdenos, unos más claros, otros más oscuros. Y serios por delante también, con el peso justo, venimos a gusto. Una corrida de Victorino en Arles es una corrida particular, con un público también particular, que aprecia especialmente el terzo de picas. Claro que le pedimos que lo destaque. Para eso, si el toro le permite, se puede, si se quiere, poner un mover el caballo durante el trecho, delante de la puerta del arrastre, para citarlo de lejos. Es importante porque esto es también lo que el público espera de una corrida de Victorino. Je suis membre de l'Association française des vétérinaires taurins, qui est mandaté par l'Union des villes taurines françaises pour prélever au tirage au sort deux paires de cornes dans toutes les corridas qui se dans les arènes de première catégorie. Bon, le taureau qui va être prévu, sa naissance, la ganaderia, prélèvement, l'ordre de sortie, et sur chaque corne, la corne gauche, on mesure la grande courbure, la petite courbure, la circonférence de la base, et on fait un trou avec une perceuse, on mesure la distance entre le trou et la pointe, on coupe la corne, et après on met des scellés. On fait la même chose sur la corne droite. Après, on prélève deux paires de cornes, hein, par corrida. Et après, les cornes sont mises dans un sac qui lui aussi a une scellée. Les cornes sont congelées et sont ensuite expertisées. Nous rendons le résultat de nos expertises à l'UETF. L'intérêt de Victorino à revenir à Arles et à la temporada.
corrida française, donc c'est important. Voilà, la corrida plaît dans son ensemble, elle est très typée, très fine, très dans le type de Victorino. Corrida sérieuse, mais qui ne pèse pas, qui doit avoir de la mobilité. Un cartel qui nous plaît, malgré aussi la modification de la dernière minute. Alors, impatient de voir le corrida ressortir en piste et de ressentir ce qui va se passer cet après-midi. Ma ville de cœur, ma ville où je vis, j'ai vécu, de souvenirs et de d'avenir. C'est ensuite Arles et ses arènes, une arène importante durant toute ma carrière, qui a marqué plein d'étapes incroyables, mes débuts, mon alternative, mon retrait, ma despedida. La Camargue est un pays de taureaux, de taurins et d'aficionados, donc
Voilà, ce week-end s'achève aujourd'hui, mais voilà, ce fut une soirée intéressante et intense.